Bon, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a Antoine, un ami à lui qui sont venus de Brive avec qui on était au road trip. Je vous mets une petite fiche juste là. Et on va essayer de prendre du carnassier. On a déjà pêché hier, malheureusement j'ai fait une erreur avec la GoPro, j'ai tout supprimé sans faire exprès. Donc je vous mets quelques images de ce qu'on a pu faire. Et aujourd'hui, on va essayer de refaire du poisson et de faire une vidéo sympa. Pêche du carnassier, brochet, perche, et on va essayer de s'amuser. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Hop, comme d'habitude, un petit montage vif et on pêche au leurre à côté. Permet de multiplier les touches. On est là pour prendre du poisson et s'amuser. Hop. Et c'est bien ce qu'on va faire. C'était quoi dans 10 mètres? Cool, ok. Les beaux poissons et le banc il y a 5 mètres. Waouh! Au vif, là j'ai pris un atout, ça part. Ouais, là c'est parti là. Oh, cette boîte, je l'ai vu. Allez, c'est parti. C'est pas gros. Non, c'est pas gros. Hein? Non, il n'y a pas de coup de tête. C'est un bec. Bon, il n'est pas vilain après. Non, il n'est pas vilain du tout. C'est un joli bec. Bon, il n'est pas énorme, mais il se défend quoi. Hein? Ouais, il met un combat de merde. Ouais. Bon, il n'est pas gros en fait. Je le voyais plus gros avec l'effet zoom là, de l'eau. En fait, je suis pas très gros. Oh, j'ai pas envie de le mettre dans l'épuisette lui. Hein? Ouais. Ça fait 60 quoi. Ça fait 60 quoi. Voilà. C'est le touche qu'il a mis au vif. Ouais, j'ai plus de vif.
Ouais, cuillère à jiguer. Waouh! Cette cartouche! Ça sent le bec par contre, ça le problème. Et je suis en 25. Ouais, bec. Picara. La frappe qui m'a mise. C'est Castagne qui m'a mise. Ouais, je vais le décrocher pareil. À la pince, je vais éviter de m'emmêler tout dans l'épuisette. Il m'a mis une frappasse, le con. Yes. Cool. Cool, cool, cool. On a plus de vif du coup? Hein? T'as pas de vif? Bon, après, c'est toujours mieux que rien, hein, mais. Ah, du coup, quand je vois le mec, là, Bourrine plus fort. C'est incroyable. Ah non, t'es bien pourtant. Hein? Tu dis ouais, pourtant tu dis que bien. Poisson, big bait. C'est bon, je l'ai pris. C'est ouf. Il est pas gros. Sauf s'il vient tout seul, mais je crois qu'il est pas gros. Mais je vais te passer. Je suis tout à l'heure, j'y pêche mon gros. Je fais trois lancers, je fais un poisson. Ah, il est pas dégueu. Il est pas dégueu. Décroché. Ah bah merde. Tant pis, on l'a vu. Il s'est pas décroché, t'es. Non, il s'est même pas décroché, il s'est pris sur celui-là. Ouais. C'est non, mais tiens, quoi. Moi j'ai fait mon fiche avec, tu pêches avec et tu me fais un leurre avec celui-là. Tu me fais un poisson avec ce leurre. Non. Si. Et sinon, tu sais pas, je vais mettre un macrobeur aussi, j'en ai un, de toute façon j'en ai pris un. Donc... Ou je te passe l'autre colo ici. C'est la vibration qui. L'un des deux. Et vraiment, je fais du stop and go sur le fond, quoi. Je laisse couler au fond, je tends ma bannière, je tire 2 mètres, une pause, je tire 2 mètres, une pause, quoi. Et au moment où tu reprends l'accélérer, tu te mets à accélérer d'un coup, boum, stop et net. Oh, mon vif qui s'excite. Ça sent la perche. Ouais. Quoique, pas sûr. Ah si, ça doit être une masta perche. Ouais, si, masta. T'es encore piqué pareil. Je l'avais dans les poussettes ? Ça va aller. Ouais, grosse perche. Ouais, c'est masta perche. Ça, c'est masta perche. Masta perche. Waza là. Waza. Ah, voilà. Là, ça commence à parler. Là, ça commence à causer. Piqué à Ratchera.
d'accord. Pizza. Ça, c'est une pizza. Et ben voilà. Voilà. Alors attends, tu vas tourner. Hop. Tu vas être par là. Ouais. Attention à ta table. Hop. Yes. Mais allez. Si on les jette comme ça, c'est pas pour rien. C'est volontaire. Hein. C'est vraiment, on les jette comme ça pour qu'elles fassent, ça fasse un choc, puisqu'on pêche assez profond. Et ce choc fait qu'elles repartent à pleine balle vers le fond. Sinon, y a des grandes chances qu'elles meurent. Si on les relâche tout doucement, ça fait effet ballon. Et leur seule chance de survie, c'est de rejoindre le fond le plus rapidement possible. Voilà pourquoi on pêche comme ça. Loupé. Poisson. Tu viens vif, Alexis ? Ça se déplace la boule. Ouais. Elle se déplace, mais au fond. Donc... C'est pas assez. À mon avis, au barrage, ça va être bandé. Ah, c'est parti mon vif. Mon vif, il est parti. Encore une grosse perche. Elle est belle. Elle est fat celle-là. Et bim! Encore une Marastra. Ah ouais. Elle est longue celle-là. Hein. Voilà les gens. Ah mais elle est assez longue, elle fait combien? 40. Je vais le mettre, tu vois celle-là. Celle-là je vais la mesurer. Il est où le mètre? Il est pas là, il est là. Il est là. Ah non, elle est pas très grosse celle-là. Elle fait 40. L'autre a été plus grosse. Hein. Un chouïa plus grosse l'autre. Voilà. Une belle belle perche. Allez. Ça partait au vif. Ah, ça y est, c'est parti. C'est des perches qui tapent. C'est parti. Loupé. Ça retape dedans. Elle se déplace vite. Hein. Ah, tap, tap. Tac, tac. Lâcher. Hop. Putain, c'est des perches qui tapent dedans, mais. Mec, si tu fais une bonne perche à cuire, bébé. Yes, Alexis. C'est blindé de belle. Allez. Session grosse perche, les gars, c'est parti. Allez, poisson, poisson. Si, si, c'est pas mal. C'est que 40, ça. C'est perche de 40, le jigging wrap. Ah, bien pendu là-bas. C'est plus joli aussi, là. Boum. Ah bah putain, Alexis pendu aussi, putain c'est la folie. Thank you.
décroché. Ah, ça a repris. Ah, ça a lâché. Ah, ça tape. Ça a pris. Allez. Voilà. Perche. Grosse perche. Grosse perche. Ah, lâché. Ouais, c'était 40 plus. Ah non, ça c'était 40 plus. C'était plus de 40, 100%. T'avais quoi là? Hein? T'avais quoi là? J'ai pas au leurre, je suis au vif. Ah, t'es au vif? Fait chier quoi. Ça c'était perche. Sûr, sûr, sûr. Putain, elle est vive celle-là, oh. Allez, moi aussi, poisson. Là, il y a un gros banc là. Poisson au sondeur pour Alexis, il a mis le vif devant et bim. Encore une belle perche. Je vais décoller mon vif alors. Une belle petite perche. Yes. Je l'ai envoyé monter sur mon vif et là, il m'a fait génial.